to where the sun burns and the heat stays in common. Come and lay by my side right here. 7 months gone and 7 years to go rich. I can't stand no more. Come and lay by my side right here. Red, I love you and the world. Red, I need you. Bien le bonjour les zingues, c'est Oz pour la reprise de Red Dead Redemption 2 encore et toujours. Épisode je crois 151 ou 152, quelque chose comme ça. Je suis au ferry. Alors on s'était quitté à la fin du dernier épisode, donc hier soir, enfin ce matin finalement, puisque je tourne ça très tard la nuit. Le long du rivage, là-bas on avait découvert le dernier os de dinosaure du jeu, les petits gars, donc ça fait plaisir. Et là on se retrouve au ferry, le fameux ferry qu'on emprunte avec John 10 ans plus tard pour rejoindre le Mexique. Je voulais revenir ici. Et je voulais aller un petit peu plus loin encore, parce que là-bas au pied de la cascade, il y a la petite cabane avec laquelle je vous rebats les oreilles. Alors c'est rien du tout, c'est juste une cabane. Il doit y avoir un chiotte et une cuisine dedans, enfin une kitchenette. Mais j'avais trouvé l'emplacement idéal quoi. Pour y vivre. Alors je voudrais voir si elle existe dans Red Dead 2 la cabane. Et je voudrais surtout me rappeler du nom de ce lieu. Je m'étais abrité là-bas sur le perron de cette cabane sur ma toute première partie de Red Dead en fait. Quand je cherchais ma route, parce que je vous rappelle qu'à l'époque j'avais pas la mini boussole. Enfin j'avais pas la mini map. Et du coup j'étais un peu paumé quoi, et je me rappelle qu'il y a eu un orage qui a éclaté avec toute la pluie qui va avec. Et du coup je m'étais réfugié sur le perron de cette maison. Et il y avait un mec, un vieillard, un black, ultra stylé, qui fumait sa clope avec moi en fait. Ben, j'imagine le propriétaire des lieux, qui fumait sa clope avec moi et on regardait la pluie tomber comme ça. C'était magique. Je voudrais voir si cette cabane elle existe. Alors elle va être difficile à trouver parce que elle était au pied. Alors je sais plus si c'était au pied de la cascade ou au pied du pont. Normalement il y a un pont qui permet de rejoindre le Mexique. Elle est peut-être bien en contrebas du coup, je suis en train de penser. On va regarder sur la map, mais... Monte Cafos, non. Elle est peut-être plutôt de ce côté-là, on va aller voir de ce côté-là. Non, elle a carrément pas de cabane. Donc voilà, je pense que je ferai un voyage rapide pour retourner à Tumbleweed pour y faire le dernier avis de recherche qu'il me reste à faire. J'en profiterai pour aller chasser le cougar légendaire. Au passage, on fera d'une pierre deux coups. Et vous allez dire, Oz, voyage rapide, qu'est-ce qui t'arrive? Bah il m'arrive qu'on est sur les derniers épisodes, hein, maintenant. On a vu New Austin, je me suis pas foutu de votre gueule, j'avais dit que je visiterais New Austin de fond en comble. Très clairement, c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. Il me reste plus que cette partie-là, un petit peu ici, un petit peu là, mais voilà, rien de bien méchant. New Austin, je l'ai fouillé de fond en comble, quoi. Il reste un petit bout là, un bout de route. Là, pareil, un bout de route, rien de bien, folichon. Je pense avoir fait tous les lieux connus de la map.
les trucs comme Riley's Charge, Two Crows, Venter's Place. Donc là. Plus guère faire plus. Tu vois cette petite, ce petit défilé qui permet de regagner Enigenstedt, je m'en souvenais pas du tout. Autant je me souvenais de l'autre là-bas, qui passe sous le pont de singe, mais celui-ci je m'en souvenais pas du tout. Est-ce que je vais retrouver la cabane du coup? J'ai un doute. Elle est long de la rivière. Là, je suis jamais venu ici, donc on va passer par là. On va regarder s'il n'y a pas si des petites herbes à ramasser, des lorigans, des trucs comme ça. Ouais, je me souviens parfaitement de toute cette côte là. Toute cette côte qu'il faut remonter là quand on part du Mexique. Par le nord. Enfin par le nord. C'est pas par le nord, c'est par l'est du coup. Elle doit être là en bas, mais apparemment elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Je sais plus où était le pont. Peut-être plus haut encore. Peut-être plus haut. Le pont. Monte Cafos. Ah non, ça m'étonnerait qu'il soit plus haut. Parce que là, c'était non visitable. Déjà dans le jeu de base, on pouvait pas monter jusque là. Le pont, il doit être par là, quoi. Et pas plus loin. J'ai quand même pas rêvé, cette cabane. Non, elle est là, regardez. Niais. La question c'est est-ce que je vais pouvoir la rejoindre parce que ça m'a l'air assez profond. Après les chevaux savent nager. Alors John ne sait pas nager par contre. Étant donné que dans le 1 ils n'avaient pas envie de se faire chier avec les animations de nage, ils avaient estimé que John ne nagerait pas. Et du coup dans le 2 bah, ils ont estimé qu'il ne devait pas savoir nager non plus. Sinon ça rendrait le 1 incohérent. Du coup, après honnêtement, Arthur, autant Arthur sait nager, autant on s'en sert pas une seule seconde quoi. Ça sert à rien. Vous voyez, c'est ici. Ici, c'est un endroit de rêve pour moi. Pour s'installer, pour vivre, quoi. Franchement, c'est un endroit de rêve. T'es un peu loin de la ville. T'as le McFarlane Ranch pour aller acheter 2-3 bestioles à bouffer. Dans Red Dead 1, éventuellement, t'as Fizz Ending qui est pas trop loin pour aller boire un coup au saloon. Mais là, c'est même pas la peine d'y penser parce que c'est juste un repère de gang. T'es un peu loin de tout. Mais regardez-moi ça. C'est exactement ici que j'étais venu me réfugier un soir d'orage, sous ce perron, et j'avais fumé une clope. Et ça s'appelle... Dis-moi qu'il y a le nom. Oh, ils ont pas remis le nom. Normalement, il y a un nom. Cet endroit a un nom, normalement. Et là, ils l'ont pas mis. Je suis triste. L'endroit semble inhabité pour le coup.
statuette de fertilité, c'est la deuxième que je trouve dans le jeu, je sais absolument pas à quoi ça sert. Je crois que c'est juste un truc à revendre. La statuette de fertilité... Augmenter la fertilité masculine, c'est tout ce que ça dit. C'est le deuxième que je trouve dans le jeu. Alors, est-ce que ça m'a affiché le nom ce coup-ci? Ah, le Old Bacchus Place, voilà. The Old Bacchus Place, exactement. Je savais bien qu'il y avait la notion de old quelque chose dans le titre, et que c'était le nom du propriétaire. Un coup de ménage à faire. C'est con qu'on puisse pas acheter de propriété dans le jeu façon GTA. Si, histoire d'avoir un petit pied à terre, de pas être obligé de cracher. Parce que là, quand t'es pas chez toi, t'es obligé de trouver un saloon ou ce genre de truc pour avoir accès à ta garde-robe. Alors que là, tu vois, qu'on puisse acheter des petites cabanes comme ça, bah, j'aurais acheté celle-là, comme ça j'aurais un pied à terre du côté des Nigenstedt. Le mec, il est trop bien installé ici, sans déconner. Qu'est-ce qu'il passe hein? C'est le paradis ici. En plus, elle est pas trop mal, sa petite cabane, comparée à d'autres qu'on a pu voir dans le jeu, qui était encore plus petite que celle-là. Voilà, t'as un chiotte, t'as une cheminée pour te réchauffer l'hiver. T'es à côté de la rivière, donc là, en termes de garde-manger, t'as ce qu'il faut juste... en sortant de chez toi. Par contre, je prendrais pas la barque. C'est risqué, parce que t'as les rapides qui sont juste à côté. C'est un coup d'être entraîné très rapidement. Hein. Excellent. Et du coup, si je passe par là, ça ramène à Fizzlending. Donc je pense que je vais entamer un voyage rapide sur Tumbleweed. Et on va aller chasser les cougars, les petits gars. J'aimerais juste aller peut-être checker éventuellement par là. Quoique, non. Non, j'ai rien dit. Attention, le cheval va changer de couleur. On va se mettre en face de la lumière. Et voilà. Un cheval tout propre, c'est quoi comme canasson d'ailleurs ça? Que je peux voir, c'est dans le joueur. Le cheval, c'est une femelle. J'ai toujours des femelles. Lien d'affection, je suis à 4 sur 4. Santé, énergie. Propreté, humeur calme, sel. Trier baroque. Cheval de course. Pur sang. Poids sous-alimenté. Ah, pauvre vieux. Je suis désolé, je savais même pas qu'il y avait un système de poids pour les chevaux en vrai. You got this, darling. Et donc là on arrive dans les marécages de Fifth Ending, très très bien. Ah oui, ok, on est ici. Je vois parfaitement où on est. C'est marrant, c'est beaucoup moins glauque que dans le jeu de base. Dans le jeu de base, quand t'es ici, c'est un peu plus sinistre, je trouve. Ouais, mais là, non, ça fait un peu plus gadou, un peu plus marécageux dans le jeu de base quand t'es à cet endroit-là. Là, ça va, c'est propre. Bon, alors, est-ce qu'on se fait un petit voyage rapide jusqu'à Tumbleweed? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Je réfléchis, attendez, faut que je réfléchisse ce qu'il y a à faire. Mes autres dinosaures ont tous été envoyés.
reste 3 lieux à visiter, mais pour... enfin plus que 3 lieux. Il me reste 3 lieux autour de Blackwater à visiter, plus quelques-uns qui ne sont accessibles que pour l'épisode 2, que, qu'après l'épilogue, donc il faudra que j'y retourne. Allez, on va se faire un petit voyage. On va à la Tumbleweed. Tumbleweed. Et on arrive à 18h, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas entamer une mission à cette heure-là. Putain, j'adore la lumière, là. Ça me fait penser à un western que j'avais commencé à regarder, mais je suis pas allé au bout, c'était Les 7 mercenaires, le remake. Et je sais pas, le jeu de lumière, là, me fait penser au début du film. Ça me fait penser aussi un peu à Mort au vif de Sam Raimi, qui est excellent. Un côté très cartoon, mais voilà, ça reste... Ça reste très très bon. Bah en fait, quand je dis très cartoon, il y a un côté un peu burlesque quoi. C'est un peu du grand n'importe quoi. C'est un peu débile, mais il y a quand même des enjeux. Et c'est quand même ça. En fait, c'est à la fois débile, mais les enjeux sont sérieux en fait. Tu sais, ça n'empêche pas le fait que ce soit très haut en couleur entre guillemets, très très enjoué au niveau du ton. Ça n'empêche pas que ça peut être sérieux sur l'écriture de certains personnages, sur l'écriture des enjeux. Voilà. Il y a quand même des choses sérieuses à ce niveau-là. Quoi. Après, oui, dans la mise en scène, etc., c'est du Sam Raimi, donc c'est très... Welcome back, mister. What can I help you with? Alors, on va faire hébergement. Louer une chambre. Tac, tac. Can I get a room? All right, hand over, should be ready. Et on va aller se reposer après un tel voyage. Ça va faire du bien. Bah jusqu'au matin, 11h. J'ai jamais dormi 11h dans toute ma vie, je crois. Super temps de merde, ça donne pas envie de sortir. Hein. Putain la vache, regardez-moi ça. Oh là là, c'est sérieux. Avec le manoir derrière là, c'est stylé. Hein. Ça rafraîchit, ça fait du bien. Parce que là, Agaptus Ridge, t'imagines bien qu'avec les températures qu'on a. Ce qui fait. Ouais, il fait 12 degrés, bon, en même temps, il est 7h du mat. Même pas. Je suis très matinal. Oh, hey,
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est... Les gars, il était derrière la porte ou quoi? Qu'est-ce qui passe? J'ai pas compris le délire là. T'imagines, Abigail, elle saurait que je suis dans une ville paumée du désert de New Austin, à 15 000 km de chez nous, et que je fais des trucs de chasse à la prime. Elle ferait une descente d'organes, mon meuf. Près de Gaptus Bridge, ça va, c'est pas loin. Ouais, mais par contre, s'il faut que je me retape tout le... You know the Del Lobos, don't you? Of course. Hey there. Well, this one's the big one. C'est le gars que j'ai coffré la dernière fois. Esteban Cortez, brother of Ramon Cortez, now deceased. Del Lobos ain't ah oui, c'est lui. Roi Kimaroyo. There's a big bunch of them holed up in Gaptooth Breach, Cortez included. I'll pay him a call. Tell him I knew his brother. Good luck. Ouais, mais ça fait chier en fait, si tu veux, parce que ben je vais être obligé de me retaper tout le campement de Gaptooth Breach, quoi. Alors que j'ai déjà donné, hein. Allez. Du coup, on va y aller. Je vais juste mettre un manteau parce que là, ça. Attends. Parce que là, ça craint un peu. Ça doit être la deuxième. Non, pas du tout. Voilà, le manteau. Du coup, Gaptooth Breach, on est là. Ouais, c'est en plein cœur de Gaptooth Breach. Ah, c'est relou, ils vont me demander encore de buter tout le monde. Et puis après, tu vas voir qu'ils vont me demander d'aller chercher à Fort Mercer. Si c'est ça, franchement, il y a de grandes chances que ce soit ça. Je filmerai pas, les gars. Celle-là, éventuellement, mais s'ils me demandent après, à la prochaine, d'aller du côté de Fort Mercer pour récupérer un Gugus. En fait, c'est juste la version scriptée de ce que j'ai déjà fait, quoi. Donc, ça m'intéresse pas de le refaire. Je le ferai en off pour les 100%. Je le ferai en écoutant un truc sur YouTube. Voilà, complètement désintéressé. Parce que ça m'intéresse pas de refaire deux fois la même chose d'affilée en si peu de temps. Pareil, la première fois que je suis arrivé, la première fois que j'ai eu de l'orage dans Red Dead 2, pas dans le 1, dans le 2. J'étais en train d'aller chercher, comment elle s'appelle, Belle, Black Belle. Black Belle qui avait trouvé refuge dans le bayou. Et du coup, il faut savoir que bah moi je venais de New Hanover. Et en fait, la première fois où je suis allé dans le bayou sur Red Dead 2, j'ai découvert cet environnement qui n'existait pas dans le 1, très clairement. Et où au passage, ils sont juste là. J'ai eu aussi un orage, la première fois que j'ai eu un orage, j'ai eu ce temps incroyable. C'était la même fois en fait. Et du coup, ça a été une expérience incroyable. J'ai utilisé beaucoup trop de fois le mot incroyable, je suis désolé, je suis insupportable avec ça. Je suis tellement insupportable avec ça que ça en devient incroyable. Alors, il va y avoir du monde ici, j'imagine. Ils sont au-dessus. Sont dedans. Voilà, ils m'entendent pas avec la foudre. Hein. Faut que je le ramène comment lui? Fusil rolling block ou rolling block rare, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. You, mon rolling block tout court. Ah, mais je suis con, il est en bas. Oh, putain, j'ai du mal avec ça. Springfield. Pourquoi ça me l'a enlevé? Tu peux me dire pourquoi ça me l'a enlevé, bordel? C'est donc lui le chef. On,
arme, j'ai rien. Mais putain, mais ça me saoule. Ça me saoule. Je viens de descendre de mon cheval avec mes flingues. Et là, il me dit que j'ai rien du tout, quoi. C'est insupportable, ce truc. C'est insupportable. Hein. Franchement, ça me casse les couilles à chaque fois. Je viens de, vous êtes témoin. Je viens de me les mettre sur le dos. Et je suis descendu du cheval et j'avais plus rien. Ça faisait beaucoup rager, cette feature, elle faisait beaucoup rager au début sur les forums. Et je comprends pourquoi, hein, parce que franchement, c'est insupportable. Après, moi, je suis pas contre, comme j'expliquais, je suis pas contre le principe. Je suis contre la réalisation. C'est pas la même chose. Mais ils vont crever de toute manière. Il y a sûrement du monde dans les hauteurs, mais le chef, il est là. On va exploser ça. Voilà, il y a un tocard qui se planquait derrière. Et c'est reparti, on revisite encore le même truc. Il est juste là, Royo. Il est bloqué dans le décor. Je marche en mode Terminator, c'est la classe. Non. Putain, j'ai eu peur. Ah bon? C'est qui son brother? C'est qui son frère? Cortez. En même temps, des Cortez au Mexique, j'imagine que c'est Légion. On va bien écouter les dialogues parce que là ça m'intrigue. Qui est ce Cortez dont John parle? Bon, ça va, j'ai pas eu tout le Gaptus Bleach à vider. Par contre, faut pas que le prochain me demande d'aller à Fort Mercer, ça va me saouler. Je pense que le dialogue est scripté pour se déclencher au moment où il sera sur le cheval. T'as la prison de Tumbleweed, elle va être plus remplie que le village. Pour de vrai, elle l'est déjà là. Il y avait plus de monde dans la prison que dans tout le village, quand j'y étais là. Allez, on charge. Le gros sac. Mais putain, mais il est con ce cheval! Mais non! Non, faut mourir les gars. Mais non, mais en fait, j'ai été bloqué une fois de plus. Il y a des espèces, il y a des chemins en fait. Il y a des chemins invisibles que les personnages ou les chevaux ou les animaux sont censés prendre. Et parfois, quand t'es pas totalement sur l'un de ces chemins, le cheval s'y remet automatiquement. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. J'ai été dévié de ma course et je me suis tapé le truc. Et j'ai cru que le cheval allait quand même sauter par-dessus en mode réflexe, mais que dalle. Abruti quoi. You're
Et le chapeau, il est où, John? Et moi, je te frappe. À chaque fois, ils me font passer par je sais pas où là. Ils font faire un détour à chaque fois. Et une fois de plus, vous avez remarqué quand je suis tombé du cheval, j'avais pas mes armes. Elles ont redisparu. C'est lassant. C'est plus que lassant. Ouais, donc là, à mon avis, c'est terminé. Très bien. Bah, je vais attendre que ça se passe. Je vais aller chasser le cougar. Quoique, je vais y aller. De toute façon, je suis trippé, donc. Je vais aller chasser le cougar, les petits gars. Alors, où est-ce que ça se trouve? Le cougar. Il y a une petite avancée d'eau ici, donc le cougar devrait être dans les parages. Très concrètement, le cougar devrait être par là. Alors j'imagine qu'il est dans la petite partie que j'ai pas visitée là, parce que j'y suis déjà allé, hein. J'y suis déjà allé, mais à aucun moment j'ai vu la notification comme quoi il y avait un animal. Alors du coup ça implique qu'il faut que je retourne à Gaptus Bridge, j'espère que ça va pas déclencher le fort, enfin le fort, le repère de gang. Tu vois, quand je jouais à Red Dead 1, quand je faisais le let's play en 2014 sur la chaîne, c'est typiquement le genre de truc que j'anticipais. Je savais qu'il y avait tel animal à chasser dans tel coin et que du coup il y avait aussi tel repère de gang et tout, je faisais tout en un seul coup. C'est pour ça que le let's play était beaucoup plus intéressant que celui-ci. Parce que là je fais plein d'allers-retours, parce que je connais pas le jeu, donc je fais plein d'allers-retours que je faisais pas à l'époque. Mais là par contre le jeu Red Dead 2 est tellement vaste, tellement complet, tellement balèze, que là j'aurais pas pu l'apprendre par cœur comme le 1, c'est pas possible. Là je peux pas apprendre Red Dead 2 aussi par cœur que le 1. On va couper un travers champ parce que. Sinon on a encore la main. Doucement, 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 doucement. Alors ce coup-ci, il me faut. Bon, on va reprendre les mêmes. De toute façon, je change pas une équipe qui gagne. J'aime bien ce combo, c'est des bonnes armes. Alors, territoire de l'animal légendaire, là-bas.
Il me restera plus que le bison du côté d'Anigenstedt. Apparemment, il y a un bison. Je l'aurais mis dans les Great Plains pour ma part, même. S'ils veulent le mettre à Anigenstedt, ils le mettent à Anigenstedt. On va pas les contrarier, les petits gars, ils ont déjà fait un boulot assez fantastique. Bah, puis le cougar, je l'aurais mis à Rio Bravo, hein, parce que c'est l'endroit de légende. D'ailleurs, il n'y a pas un seul cougar à Rio Bravo. Je me sens un petit peu lésé. Là, vous allez dire, oh, tu te fous de la gueule du monde, tu disais que c'était cool. Bon, en fait, là, ils sont passés de d'un taux de spawn de 80% de cougar, un taux de spawn de 80% de chance de cougar, tu sais, à zéro, en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Ok, et c'est où que ça part? Ça part par là, ok. Va pas falloir que je le loupe, le petit gars, parce que lui va pas me louper. Donc j'ai du sang froid, j'ai du bon sang froid dans ma table. Pff, je dis de la merde. En face. Lui il va pas me loupos. Alors c'est là. Quand même, parce que lui va me sentir et va me sauter à la gorge, je vais rien avoir le temps de faire. Déjà un cougar de base ça one shot, alors un cougar légendaire qui va faire 10 fois le poids, j'ai peur, j'ai un peu peur, mais je vous avoue que je suis un peu stressé parce que je sais que ça va pas être forcément une partie de plaisir. Baisse-toi, putain. À chaque fois qu'il finit d'examiner, il se relève. Mais c'est relou, quoi. Ça, c'est aussi un truc qui me casse les couilles dans le jeu. That's real fresh. Donc là, il est vraiment pas loin. On peut constater ici que... il est pas loin. Je le vois. C'est bon. Il était noir, lui. Stylé. C'est pareil, hein. Off, il faudrait que j'aille un coup au trappeur pour revendre tous ces trucs qui stagnent sur mon cheval depuis trop longtemps. Avant de les perdre. Parce que j'ai la peau du mouflon légendaire, enfin de l'antilope légendaire aussi, sur le cheval. Tu vois, donc ça serait con de la perdre. Donc voilà, ça c'est fait. On est pas mal. Du coup, j'ai plus rien à foutre à Tumbleweed. Maintenant, il faut que j'aille à Anigenstedt pour choper le bison. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, attendez, est-ce que c'est bien Anigenstedt? Je crois que oui. Hein. Je crois que c'est bien Anigenstedt, le bison. Encore une fois de plus, on va y aller en voyage rapide. On va plus s'emmerder à partir de maintenant. On est sur la fin du let's play. C'est bon, le jeu, je le connais. On est bien Anigenstedt, du côté presque de Fifth Landing. Ok. Ok, ok. On est par là, quoi. Et là, c'est pareil. Bah, j'ai pas eu d'indic. Comme quoi, j'approchais du bordel, donc... J'ai pas eu d'indication comme quoi j'approchais, tu sais, du... Pourquoi je peux pas...
établir un campement, hein. Un repère. Je suis considéré à Agathus Bridge là. Oh putain, mais oui. C'est vrai qu'il y avait des cougars dans Red Dead 1 de ce côté-ci aussi. Oula, je l'ai pas fait ça. Si, c'est Agathus Bridge. Ah putain, il y a tout le repère qui respawn en plus. Oh, c'est relou. C'est relou parce qu'il y a tout le repère de gang qui respawn. Et je me demande quand est-ce qu'ils vont arrêter de me tricard, les mecs. Parce que là, ils sont encore en mode tricard, là. Non mais stop, stop. Oh, je suis assez loin, là. Putain, c'est incroyable. Faut aller à 30 km pour que les mecs, ils te voient plus. Du coup, Ranch McFarlane. Il y a un point de voyage rapide, là-bas, en plus, c'est impeccable. Hop. Le bison légendaire. Au niveau des poissons légendaires, il me restera quoi? Faut que je regarde sur la map. En espérant qu'il soit bien rayé au fur et à mesure sur la map. Alors oui, sur la map générale du jeu, ils sont rayés, mais pas sur la map où ils sont marqués. Du coup, je sais plus lesquels j'ai fait, moi. Tu vois, là, c'est pareil. Un petit trappeur Ranch McFarlane, ça aurait été cool. Il n'y a pas un seul trappeur dans toute la région de New Austin. Du coup, carte. Carte des poissons légendaires. On va voir ce que ça dit. J'ai fait le seul de New Austin, il est fait. Il y en a un à Fifth Landing, ici. Mais je crois que je l'avais fait, celui-ci. On va regarder. Non, il n'est pas fait. Si, il est fait. C'est lui. C'est celui de Stillwater Creek. Et celui de la San Luis River, il est fait. Il y en a un peu plus haut, là. Alors, c'est où, ça, finalement? C'est là. Peut-être Aurora Basin. Il doit y avoir ici, je pense. Alors ici, il y a un lieu à visiter. Ici, il y a un truc à récup. Ici, il y a aussi un lieu à visiter. Et ici, il y a un poisson légendaire. Donc, il va falloir que j'aille faire un tour du côté d'Aurora Basin, quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a un poisson légendaire dans cette rivière. Dans la Lower Montana River. Ok. Ok, très bien. Mais avant, on a dit le bison. Le bison, il doit être... à peu près par là où j'ai mis le point, je pense. Peut-être même ici, tu vois. Peut-être ici, on va aller voir ça. Sinon, au niveau des poissons, il y en a un tout au nord, là. Tout au nord. Ça doit être dans cette rivière. Peut-être à Cottail Pound. Ou peut-être à Lake Isabella. Non, c'est Lake Isabella. C'est en dessous du bison légendaire. Mais du coup, il y a deux bisons légendaires dans le jeu. Je pense que les poissons légendaires, je les ai tous faits en vrai. Celui-là, je l'ai fait. Peut-être pas le petit dans la rivière. La rivière des Legion Pool. J'ai pas dû le faire celui-ci. Ouais, je vais voir, je vais étudier ça en off. Je ne vais pas perdre de temps avec ça ici. Alors du coup, l'idée maintenant, c'est d'aller choper le bison légendaire des Niganshed. S'il s'agit bien d'un bison.
Ah, je suis désolé. J'ai marché sur un truc. Enfin, pas moi, le cheval. En plus, c'est frustrant, je vois pas les succès qui s'affichent en temps réel. Parce que, comme j'expliquais, je joue pas. Là, tout à l'heure, j'ai essayé de me remettre en ligne, histoire justement d'activer des succès. Et puis, ben, ça m'a demandé une mise à jour, donc qu'ils aient tous enculés. Leur mère. Hop là. Ok, on est juste à côté, c'est impeccable. Ça me plaît quand ça se passe comme ça. On va reprendre. Alors, ce que si on va prendre un gros fusil. Ben, je crois que le plus gros, c'est le Rolling Block et le Springfield, hein, les plus gros, de toute manière. Parce que là, le bison, faut percer le cuir. Hein. De toute façon, c'est le Springfield. Ouais, Springfield, tu vois, si je prends une haute vélocité. Ok, mon personnage a bugué. Ok, mon personnage a bugué. Oh, le souci, toi. Oh, John, ça va pas la tête. Je sais bien que t'as passé un petit peu de temps dans la nature tout seul, mais quand même. J'avais pas vu que ça affichait des traces de pas. Tu vois, toutes les traces de pas, elles étaient pas là. Ça vient de les afficher. J'ai jamais fait gaffe à ce truc. C'est pas le lapin légendaire. Ça serait stylé, un lapin légendaire. Insaisissable, le truc. Déjà que les lapins du jeu, ils sont insaisissables, alors. Ok, il est là. Il est beau, il est tout noir. Putain, il est magnifique. Je suis désolé de devoir mettre fin à ce... De devoir mettre un terme à cette beauté de la nature. Mais c'est pour la bonne cause. La taille de ce bison. Allez, bonne chance. Là, pour dépecer un truc comme ça, mon petit gars, là, t'en as pour une journée, en vrai. En même temps, sachant qu'il dépece, qu'il éviscère, qu'il découpe, qu'il désosse. Parce que là, il prend que la peau, hein, techniquement, mais quand tu regardes ce qui rentre dans l'inventaire, la fourrure, le roast beef, oh putain, le roast beef, impeccable, c'est justement ce qu'il me fallait. Et là, j'ai fait mon enculé d'homme blanc colon. Tu vois, les Indiens dans Danse avec les loups, quand ils voient ça, ils pètent des câbles, hein, à juste titre. Hein. Tu prends que la fourrure, t'es vraiment le roi des cons, quoi. Pauvre bête. Ah, c'est pour les 100%, je suis désolé. Oula. Bah voilà, du coup. Un de plus. On est bon. Combien de temps il reste? 10 minutes. Et eh ben, je vous propose qu'on aille se balader. Alors non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça en sécurité. De toute manière, les animaux légendaires, ils sont tous faits. Là, c'est fini, les animaux légendaires. Comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Dans les défis, dans la progression, dans l'encyclopédie, je pense que c'est là-dedans. J'en ai 16. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 et 3. J'en ai 16. Donc je pense que je les ai tous. Je pense que là, il n'y a pas photo.
Tac tac, carte des animaux légendaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attends, je ne compte que 12 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il en manque 2. Il manque l'alligator qui n'est pas mentionné sur la carte et que j'ai tué. Et l'autre, je sais pas. On a les 3 de New Austin. Ensuite, on a le bison légendaire tout au nord. Le cerf et le mouflon. Ça fait 6. Si on continue au nord, on en a 4. Ça fait 10. On redescend, on a le castor, ça fait 11. 12 pour le truc, je sais pas ce que c'est. Le renard et le loup, 14. Il m'en manque 2. Il y a le crocodile qui n'est pas marqué sur la map. Quant à l'autre, je n'en sais rien. Le cerf légendaire, ouais, je l'ai tué. Du côté de Gumberland Forest, c'était le mouflon, on est d'accord. Je vois pas lequel qui manque, là, concrètement. Ah, si, la panthère légendaire qui n'est pas marquée sur la carte et qui se trouve tout au sud de Lemoine. Donc, en fait, voilà, je les ai tous. On est bon. Je vais aller mettre tout ça en lieu sûr. Je vais faire un voyage rapide au trappeur. Donc le plus simple, c'est d'aller à Emerald Ranch. Le plus simple, c'est Emerald Ranch, je crois, pour aller au trappeur. Quoi qu'il y en a un ici, vers Strawberry. Ouais, je vais aller à Strawberry plutôt. Au pire, j'y vais à pied. Hein. Enfin, à pied. Ouais, je vais à la pied, les petits gars. J'ai tout ce qu'à faire en cours de route. Mais écoute, on va faire ça. On va jouer à Red Dead, et puis c'est tout. Hein. On va déjà dormir. Alors non, je voudrais cuisiner pendant qu'il est encore temps, avant que je fasse une connerie avec le bœuf premier choix. Et on va le mettre à l'origan. Sauf que c'est pas du bœuf, c'est du bison. Avec ça, mon gars, dans la panse, un steak comme ça, t'es bon. Et donc là, logiquement, ça me l'a mis dans mes défis. Roast beef. Donc il manque les deux poissons. Ça tombe bien, il me reste encore des poissons légendaires. Ah ouais, mais les poissons légendaires, je peux pas les manger. Le crabe, le gigot et l'oiseau exotique. Très bien, on dort, on va se réveiller, on va dormir jusqu'à minuit, on va faire la route de nuit. On va faire la route de nuit. On va faire ça dans le prochain épisode, les petits gars. À la prochaine, ciao.